Un match était attendu entre Divin de Cajus et Couleur Fauve dans le prix Caroline de Fraissinet et la victoire est revenue à cet entourage, celui de Couleur Fauve. Nadine qui est en larmes, félicitée par Jean-Luc Gaillard et Marc Maviel. Couleur Fauve, elle va arriver dans un instant. Elle était associée à Yoritz Mendizabal, entraînée par cet homme, Xavier Thomas de Meholt. Yoritz, un petit mot. Bonjour, félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Une pouliche très bonne avec un mental exceptionnel. Et ben voilà, c'est noté, c'est dit, un mental exceptionnel pour cette Couleur Fauve. Yoritz Mendizabal qui est félicité bien sûr par les éleveurs. Ici, Xavier Thomas de Meholt, l'entraîneur. Elle restait sur une victoire dans le prix de l'élevage. Cette Couleur Fauve face à Divin de Cajus déjà. Xavier, en attendant les trophées, première réaction, félicitations. Trophée, toi. Félicitations. Merci. Première réaction alors du coup. Bah, c'est super, c'est une championne et elle prouve aujourd'hui que c'est une championne. Voilà. Parce qu'ils se sont bien battus devant, mais bon, à la fin du duel, c'est elle qui gagne. Et depuis sa dernière victoire, elle avait fait quoi? Elle avait fait des canters, elle a juste fait un galop sur le gazon mardi dernier, et c'est tout. Sinon, elle n'a rien fait de spécial. Elle est un peu spéciale. Qu'est-ce qu'elle a encore comme course à courir jusqu'à la fin d'année? Le 10 novembre à Toulouse, il reste le Grand Prix des Anglos en fin d'année. Là. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Xavier. On va te laisser, recevoir les trophées. Des trophées Birabin, bien sûr. Et Yann de Kersabiec, le fils de Caroline de Fraissinet, qui remet les trophées. Paul Couder, qui est là, évidemment. La jument, on va l'amener. Ah. La voici, la championne, cette Couleur Fauve. Cette Alsane, élevée donc par Marc et Nadine Mainviel. On rappelle que Maurice Lille, le père de Nadine, est malheureusement décédé cette année. Que d'émotions, Nadine, que d'émotions. Et bien sûr, je pense à ton père aussi. Ah oui, c'est vrai, mais il est là en haut avec maman. Et il a vu la course, il nous a aidés. Écoutez, elle est super parce qu'elle a tout fait. Elle a tout gagné, sauf une, en redébutant. Mais bon, c'est une satisfaction d'avoir une jument comme ça, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais on avait peur du poids parce que 62,5 kg, c'est quand même beaucoup. Elle les a portés, elle est bonne. Voilà. Tout simplement. Marc, on la revoit du coup l'année prochaine, c'est ça? Oui, normalement. Bon, il lui reste le national à courir à Toulouse là au mois de novembre. Et bon, j'ai lâché une parce que. Et après, normalement, bon, elle va rentrer à la maison. Et on partira l'année prochaine pour essayer de reporter autant de poids, puisque bon, avec les gains, elle aura du poids et on essaiera de faire le mieux. C'est ça les courses, bravo. Merci.